Bon, les petits cailloux, c'est Pierre qui roule. On a essayé de streamer le jeu qui s'appelle Lego 2K Drive, qui vient d'arriver sur le Game Pass, sur le Game Room de Microsoft Xbox. Mais dès qu'on a lancé le live, ça a été, nous a dit ce jeu n'autorise pas la diffusion en direct. Va te faire foutre. Donc, en gros, pas la peine de le lancer, ça sert à rien, puisque mon but étant de vous faire découvrir par un rapide test et test de 5 à 15 voire 20 minutes si c'est un bon jeu, ce qui arrive sur le Game Pro de Microsoft Xbox. Donc comme on peut pas streamer, donc on peut pas le mettre sur YouTube, donc va te faire foutre, hein, jeu de merde, dégage, désinstallé direct. Ça devait être sûrement un bon jeu pour les petits enfants de 5 à 10 ans, hein, des courses de voiture en truc. Mais vu déjà comment il était prise de tête parce qu'il fallait lier son compte obligatoirement à une adresse mail, même pour les gamins de 5 à 10 ans avec lesquels vous jouez à côté de vous, ils vont... Enfin, ils peuvent pas accéder à tous les avantages s'ils n'ont pas compté lié à un compte email. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, là, on va tester l'Illgator Game. Donc, c'est un petit jeu qui est sur le Game Pro de Microsoft récemment arrivé. Bon, bah, disons que par rapport à ce que nous a montré la jaquette et ce que ça donne, c'est pas un jeu qui nécessite encore une fois une série X à 500€ en 2024. C'est encore un jeu qui nécessite au maximum une Xbox 360 qui, on va dire, va se vendre à 5€ pièce. S'il se vend plus cher, c'est du vol, c'est de l'arnaque. Et mime, on devrait être payé pour un jeu pareil. Et ça vient bien parti, comme je le confirme tous les jours, hein, en testant tous les jeux du Game Prout. Ça fait partie des 1%, pardon, pas 1%, des 99%, pardon, de jeux de merde rétro et ou indépendant, donc du Game Pro de Microsoft Xbox. Voilà, paramètres français, bon, c'est ça, ouais. Filtre rétro, oh là là, quelle horreur! Bon, les zoos. Oh mon dieu, de mon dieu, l'âge mental du développeur là. Ça, c'est un jeu pour les moins de 5 ans. Hein. Et encore, si vous autorisez vos gamins à moins de 5 ans à jouer sur console. Hein. Parce que bon, les gamins, c'est seulement à partir d'un certain âge. Hein. Découvrir le jeu vidéo, en gros, à partir de 6 ans, à la rigueur, maximum, pas avant. Et en plus, en votre présence, hein. Uniquement en votre présence. Et puis, pas plus d'une heure, hein, ça suffit hein, pour le conseil. Hein. C'est quoi cette merde? Bon, il faut faire quoi là, pour faire des conneries comme ça. Oh, oh là là là. Pff. Oh putain, ouais, tu m'étonnes que je m'ennuie avec un jeu de merde pareil. Je passe le magin. Hein. Oh là 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 là. Que c'est quoi cette horreur? Ah ouais, je m'ennuie donc que je déguise un déguisement de combattant pour taper sur les gens. C'est vachement bien au niveau moralité, hein, pour un jeu pour gamins. Allez. Voilà. Jésus. Bah oui, bah ouais. Tout à fait, moi aussi je suis Éric Zemmour. Il y a 100 milliards d'années, putain, il faut nous apprendre que les dinosaures existaient et qu'ils n'existaient pas. Ah ah. Mais par contre, les géants n'existaient pas, les arbres géants n'existaient pas, et bien sûr, ce ne sont pas des bâtisseurs de l'ancien monde qui ont construit les pyramides, voilà. Mais les dinosaures, eux, par contre, ont existé. Et évidemment, c'est une météorite qui les anéantit. Bien sûr aussi, quoi. Prends-moi pour un con. Ah oui, une météorite sur une terre globe, donc évidemment. Allez, zou. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde là?
Oh là 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 là. Ça, et dur, on voudrait être payé pour jouer à des jeux pareils. Enfin. Mais c'est quoi ça? Je vous passe le baratin, j'en ai rien à foutre. Et ça, c'est qu'avant, mais putain, mais je jouais pas à ces jeux-là, quoi, ça arrêtait, quoi. CRX 500 euros 2024, CRX, Next Gen, putain, qu'es-tu? 2024, 500 euros, une CRX, pour jouer à des jeux merde pareil, putain. Pas de bouchon pour paramètres. Ah ouais, d'accord. Putain, c'est affolant. Thank you.
Je reste sans voix tellement. Tellement c'est de la merde que. Putain! À la rigueur pour un gamin de 5 ans et encore. Et encore, ouais. Un gamin de 5 ans. C'est ça en fait. Sans que ça rend être de la merde ce jeu. Aucun but, aucun intérêt. Oh là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et on sait même pas où aller en vite. Si là-bas, ça. Ça va être ça, ça brille. D'accord, je vais comprendre. Ouais, ben intérêt zéro, hein, comme d'hab. C'est très plaisant, mais à part ça, on s'en fout. Ah.
Putain, en plus dans le bus, c'est moi qui le dis. Putain, enfoiré, bah. J'en reste où je vais tellement c'est de la merde. Et c'est un jeu pour les gamins en fait. Ouais, lui. Débile. Ouais bon, allez.
Putain, l'écriture phonétique, ça va apprendre à vos gamins en bas âge à vraiment. Franchement, c'est. Ils auraient pu se. Putain. C'est pas comme ça que les gamins en bas âge vont apprendre à bien écrire, à bien lire. Déjà que le niveau du QI national est en chute libre et qu'au niveau français, c'est de plus en plus de brels. Putain, ils auraient pu s'appliquer à faire un truc bien écrit et en parfait français au lieu de putain de. Oh là 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 là. Mon Dieu, elle est belle la France. L'avenir de la France, elle est belle. Il n'y a pas de carte ici. Hein. Pas le principe là. On va pas jouer à ce jeu là pendant 7 ans, ça fait déjà 25 minutes qu'on joue à ce jeu et y'a aucune. Y'a aucun avantage. Thank you.
La musique est entraînante, mais à part ça, il n'y a pas de... Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de carte pour se retrouver, parce que là, c'est vraiment un méchant bordel, on sait pas où il faut aller. Thank you.
Me demandez pas ce qu'il faut faire, je comprends rien. Vraiment, on comprend rien du tout. Que dalle. Rien compris. Ah, il y a une maison à mettre. Il y a un bonhomme qui court. Ah ouais, d'accord. Ok. Oui, bah c'est le mal d'être au général. Thank you.
D'accord. Oui, bon, pas intéressant. Oh, d'accord, là. Bon, on va rester là parce que bon, ça fait quand même 45 minutes qu'on joue à ce truc. Et bon, il est plaisant, mais c'est pas un jeu de. Voilà. Après, il y a combien de succès? Il y a 22 succès sur ce jeu. Et j'ai eu un succès en jouant 45 minutes. Je trouve que c'est un peu long. Voilà, donc franchement, c'est un peu long. Alors. Bon, bah sur ce, bah, je vous laisse tranquillement là, tranquille. Allez vous reposer, faites un bon petit dodo. Et à plus dans le bus. Ah, les jeunes, les petits cailloux. Ciao, ciao, bye bye.